Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie? François Stéphany nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphany des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. François Stéphany nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphany est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. Et ce qui me suivent, donc, on voit le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est la plus belle tradition. C'est mon cadeau, n'est-ce pas, que nous emmenons pour marquer notre... Il y a quelques années, la Grande Loge nationale française a carrément loué le Palais des Festivals à Cannes pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okemba, qu'on appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Mais à la Grande Loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. Vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République, du Congo-Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. On n'a pas cette vision coloniale. C'est terminé. Et mais quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. À chaque fois, il faut les aider à devenir eux-mêmes. On considère aujourd'hui que la franc-maçonnerie compte 4 millions de membres dans le monde, toutes obédiences confondues. Sa force, le culte du secret et son réseau d'influence. Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte. Comment peut-on la mesurer? Puisque vous ne savez pas quand vous parlez, à qui vous parlez.